Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Abdelkader Amara, a inauguré jeudi à Témara un centre de contact et de téléperformance. Un centre qui s'étend sur 11 000 mètres carrés, considéré comme le leader mondial des services clients externalisés. C'est un secteur où le Maroc a beaucoup d'atouts. Alors au-delà de la stabilité de notre pays, au-delà de sa proximité géographique, nous avons développé un savoir-faire qui est très important. Et nous avons reçu un trophée de la meilleure destination de l'offshoring par l'Association européenne de l'offshoring en 2012. Et nous estimons à juste titre que c'est un secteur qui mériterait, et c'est ce que nous allons faire inchallah dans les mois à venir, de repositionner le secteur de l'offshoring dans une logique, disons, plus globale. Parce que nous avons un secteur anglophone dans lequel on pourrait avoir, bien sûr, une part très importante. Donc nous travaillons sur ce chapitre. Il y a d'autres chapitres sur lesquels nous travaillons, c'est d'améliorer de plus en plus l'attractivité du Maroc dans ce domaine. L'installation de ce centre est une aubaine pour le développement du secteur de l'offshoring, dans lequel le Maroc possède de nombreux avantages compétitifs. Alors, cette inauguration aujourd'hui est très importante pour nous. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le ministre donc, de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies pour en fait inaugurer officiellement notre centre donc, à Rabat, où nous avons invité les plus grands clients de Téléperformance France et où nous espérons vraiment créer de la valeur pour l'ensemble de nos collaborateurs, pour l'ensemble de nos clients et également pour le Maroc. Le Maroc se confirme en tant que destination privilégiée pour les centres d'appel. De plus en plus d'entreprises étrangères s'y installent pour son positionnement stratégique en matière d'expérience client.